Ceci, c'est donc la grande période. Puis ensuite, nous parlons de la période de décadence dans la langue arabe. Asr al-Inhitat, la décadence. Ça va en gros du 14e siècle jusqu'au 19e. Et puis nous avons un début de reprise grâce à Napoléon. Ce n'était pas son but. Mais quand il est venu conquérir l'Égypte en 1798, et qu'il est resté 3 ans, lui est parti même avant pour se battre contre les Anglais, il a laissé en Égypte l'équipe des savants dans tous les domaines possibles et imaginables. Nous avons il y avait des dessinateurs qui reproduisaient tous les monuments, nous avons des merveilles. Il nous a laissé une encyclopédie qui s'appelle La description de l'Égypte, que nous sommes en train de traduire depuis 30 ans en arabe. On n'a pas fini encore de la traduire, tellement elle est d'actualité dans tous les domaines. Et cette équipe de savants est restée en Égypte et a fait le début de la réforme de l'armée, de l'administration, des finances. Et puis, alors, sur ce modèle, Mehmet Ali, qui était le roi d'Égypte, qui est un Albanais, mais qui est devenu... Enfin, c'est le groupe qui va prendre possession de l'Égypte pendant un siècle et quelques, un siècle et demi. Et il va envoyer des jeunes égyptiens, musulmans à peu près tous, à 2 exceptions près, avec un aumônier musulman, un cheikh, étudié à Paris ou à Montpellier pour la médecine ou bien à Rome pour l'art. Ils vont s'initier à tout, aux arts martiaux comme à la mathématique, et à tout ce qu'ils pouvaient acquérir, reviennent en Égypte. Il les met en prison, mais une prison bien, bien garnie, à la citadelle du Caire, avec des serviteurs, en leur disant, tant que vous n'avez pas écrit en arabe tout ce que vous avez appris en français, vous ne sortez pas. Et c'est comme ça qu'on a eu le début de la modernisation de l'Égypte, tandis que les Français qui étaient restés en Égypte, dont Soliman Pacha, il devait devenir musulman, qui va réformer l'armée, etc. On va avoir le début de la nouvelle renaissance que nous appelons en arabe la Nahda et qui va se prolonger avec notamment son petit-fils, le Khedive Ismail, qui va alors faire construire le canal de Suez avec Ferdinand de Lesseps, l'université du Caire qui remonte aux années 70, 1870, l'opéra du Caire pour lequel Giuseppe Verdi va composer l'Aïda, qui deviendra notre hymne national en Égypte, avant la révolution nassérienne. Moi, je l'ai chanté toute mon enfance. Quand il y avait un film, il y avait les actualités, de la publicité, et puis une pause. On sortait 10 minutes, on revenait, et on se tenait debout, et pendant qu'on entendait la musique... De l'Aïda, enfin de la marche triomphale de l'Aïda, nous chantions avec la musique la 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 la, etc. Bon, on pourrait continuer, mais c'est pour dire que ça, c'était notre culture jusqu'au milieu du 20e siècle. Et c'est l'époque que nous appelons la Renaissance. Et qui nous a aidés là? Tous les chrétiens de Syrie. Syrie, ça voulait dire la Grande Syrie, c'est-à-dire Liban, Syrie, Jordanie, etc. Tous les chrétiens chassés par les Druzes, ou fuyant en 1860 la guerre des Druzes, qui arrivent en Égypte. Pourquoi? Quelques-uns vont en Turquie. Mais la plupart vont en Égypte parce que c'était le pays du libéralisme, de la liberté. Les Libanais avaient commencé leur inculturation européenne bien avant, puisqu'on a eu en 1584 la création du collège maronite de Rome à Rome.
en même temps que la grégorienne, en même temps que les Allemands, le collège germanique et autres. Grégoire XIII avait demandé qu'il y ait à Rome un collège pour les maronites qui se forme théologiquement, et ces jeunes maronites qui venaient à l'âge de 13 ans faire le petit séminaire et puis l'université grégorienne, retourner chez eux et créer des écoles. Les premières écoles modernes se font au Liban, dans les monastères, etc. La première imprimerie en langue arabe est en Italie, à Fano, en 1514, et on imprime les psaumes en arabe pour l'église melkite. Et ainsi de suite. Mais la première imprimerie du monde arabe se fait au Liban, dans un monastère melkite. Et puis maronite, et puis etc. Les maronites écrivaient en caractère syriaque, mais en langue arabe. On appelle ça le garchouni. Mais les melkites écrivaient en arabe directement. On a donc tout le mouvement culturel vient des chrétiens. Et la contribution des chrétiens au monde arabe, et donc arabo-musulman, est indéniable par n'importe quelle personne tant soit peu instruite chez nous. Et ça, c'est tout le mouvement et l'ouverture. On traduit du français, de l'italien, de l'anglais, surtout ces trois langues, mais le français en premier lieu. On traduit en arabe tout ce qu'on peut trouver. Et le darwinisme, et les nouvelles théories, et les nouvelles idées, et sur la laïcité, sur tout ça. Et c'est l'époque où les musulmans eux-mêmes entrent dans ce mouvement. On a par exemple le grand recteur de l'Azhar, Mohamed Abdo, mort en 1905, le plus fameux recteur de l'université Al-Azhar qui est au Caire, qui jusqu'à nos jours, qui est fondé au Xe siècle par les Fatimides, chiites, mais sunnitisé par la suite et qui continue jusqu'à nos jours. Lui était exilé à Paris, c'est lui qui a demandé Paris, et avec Jamal Eddin Afghani, qui a été cité ce matin, et qui était un des grands penseurs non arabes, persans, mais qui a pris le nom d'Afghani pour tromper les gens, et toutes sortes de penseurs musulmans qui s'inspiraient de la culture occidentale et de la pensée politico-religieuse occidentale. Et je prends un exemple, par exemple, en Égypte, vous savez que la circoncision masculine et féminine, en arabe, elle porte aussi un autre nom, c'est un usage africain. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est un usage africain qui vient de l'Égypte. Alors, on pose la question à l'imam Mohamed Abdo en 1900, et on lui dit, bon, est-ce que ça, c'est une obligation ou pas? Il dit, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est un usage égyptien qui s'est répandu en Afrique et qui reste chez nous. En 1983, on interroge le grand recteur de l'université Al-Azhar, qui s'appelle Gad el-Haq. On lui dit la circoncision féminine, il y avait un mouvement pour l'interdire sous Nasser. Et il dit, ça c'est un des piliers de la religion musulmane, etc. C'est-à-dire un recul intellectuel énorme. L'époque jusqu'en 1950 est une époque d'ouverture. Mais entre-temps, arrive quelque chose, 1948. C'est la guerre injuste, la décision injuste de l'ONU, parce que les Juifs sont persécutés en Europe par les Européens, qu'ils soient allemands ou avant eux, polonais, français, ce que c'est. Alors on veut, compenser cela, on leur donne un petit bout de la Bavière, on leur donne la Palestine, comme si c'était un désert, et on leur dit, voilà, c'est à vous. Évidemment, les Palestiniens qui étaient des pasteurs, des bergers, la plupart, qui étaient sous régime britannique. C'est les Britanniques qui autorisent et qui décident, etc. Alors évidemment, il y a eu la guerre. Les pays arabes étaient
militairement au plus bas. Ils étaient, enfin, avant le 15 mai, ils étaient juifs. Après, ils étaient juifs israéliens. L'Israélien était beaucoup plus motivé. Et ils ont battu l'ensemble des armées, qui était surtout l'armée égyptienne, où il y avait ce colonel qui s'appelait Gamal Abdel Nasser, qui, par réaction, se dit, en plus, il y avait un scandale, c'est que le roi Farouk d'Égypte a fourni des armes qui étaient pourries, c'est-à-dire il a acheté ce qu'on lui a donné. Et bon, ça a fait un gros scandale et ça a fait la révolution de 1952, reprise en 1954. Et à partir de ce moment, l'Égypte commence sa décadence, on chasse, on nationalise tout ce qui était étranger, première étape, et donc tous les Syriens, ce qu'on appelait les Shawem en Égypte, les Syro-Libanais, etc., quittent. En 1956 a lieu la première réforme agraire. Elle touche les Coptes, parce que les Coptes sont les Égyptiens, les paysans du pays, leurs terres. On réduit leur droit de propriété à 2 hectares par personne. Donc, ils sont dépouillés de tout et on distribue aux pauvres. C'est la réforme socialiste. Aux pauvres paysans un lopin de terre pour qu'ils puissent vivre. Mais c'est les Coptes qui ont payé le prix. En 1961, on réduit encore le droit de... La famille ne peut plus posséder que 2 hectares, non plus la personne. Et on prend tous les grands magasins. Les Juifs quittent, le reste des... Enfin, ça a touché les chrétiens. Et les Juifs qui n'étaient pas très nombreux, mais qui étaient importants. Ils avaient le grand négoce. Et ceci a marqué, et le fait que l'ensemble des pays arabes n'arrivent pas contre un petit pays, un petit peuple, à le vaincre, a été comme une gifle. Enfin, c'était honteux. Et c'est comme ça qu'on a vécu. Moi, je suis né en 38. J'ai suivi tout ça. Quand nous étions élèves à l'école, on connaissait par cœur les sujets qui allaient venir à l'examen. C'était la défense du socialisme arabe. Et on étudiait par cœur ce qu'il fallait écrire et on l'écrivait. On réécrivait l'histoire, etc. Bon, c'était une toute autre approche. Ce n'était plus une approche culturellement, scientifique, académique, etc., que j'avais connu, même si j'étais en troisième, seconde, etc. Mais c'était une vision idéologique. Et tout a été de plus en plus dans ce sens. Et le niveau d'enseignement a baissé jusqu'à atteindre le niveau actuel qui est égal à zéro. Et,